Yo tout le monde, c'est Kylian, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, je ne suis pas seule, je suis en compagnie de ma sœur qui est juste ici. Comment tu vas? Bonjour. Est-ce que j'ai le droit de dire ton prénom ou pas? Oui, Lisa. Du coup, vous l'avez déjà vu sur certaines vidéos, des anciennes vidéos pour le coup. Et elle date d'il y a quoi? Il y a 4 ans au moins. Et aujourd'hui, on va regarder plusieurs vidéos et on va essayer de ne pas rire. Mais aussi, il y a certaines vidéos qu'elle ne connaît pas, je vais lui montrer, notamment la vidéo avec Chantal et son fumier, vidéo incroyable. Du coup, sans plus tarder les amis, on va lancer ensemble cette vidéo. On risque d'être un peu déconcentré, être un peu mort de rire, mais Lisa n'est pas habituée au record, donc du coup, voilà. Ça peut être assez drôle. Et elle mange tranquille au KLM. Donc est-ce que t'es prête? Oui. Allez, c'est parti. Il a glissé, hein. Il a bien glissé quand même. J'aurais bien aimé que je n'ai plus de... Oh bah oui, comment il se pose, raté. Bah oui, on a raté de... Comment il se pose bien après? Au bout de 2 minutes de vidéo, on a explosé de rire. Ah non, mais attends, c'est la violence de l'impact. Regarde l'impact, après comment il fait style de rien. Bah lui là. Tu sais, on dirait les tests d'airbag. Ah oui. Ah bah là. Lui il a un regard hyper malsain. Et après t'as Martin qui arrive. Il se gratte le cul en même temps, non? Ouais. En fait, ça se trouve, il tombe d'ouf parce qu'il a l'air d'enculer. Il est possédé! Ça se passe mal pour lui. Attends, c'est le... essaye de fixer le regard du chien, bah oui. C'est flou. Regarde le regard en mode oh merde, quand il va tomber. Mais surtout comment il se tenait la tête, regarde ça. Oh! La télé. Je le nique. Mais c'est pas un chat. Ah si, c'est un chat, mais gros. Ah ouais, mais non. Si, c'est un chat très gros. Attends, c'est un chat qui était très gros. Mais comment il a pu sauter? Attention. Comment toi, t'entends le palourd. Se soulever, ouais. Et là, il est coincé. Il est tombé comme une grosse merde. Oh là là, la télé. Moi, je le tue, hein. Ah mais ça, c'est horrible. J'ai jamais réussi, hein. En gros, c'est les chats quand ils ont leur chaleur. Apparemment c'est ça quand les chats... Dites-nous dans les commentaires si c'est ça ou pas. Oh bon. Je crois que quand les chats ont des chaleurs, genre les femelles et tout, si tu les caresses genre au niveau du cul et tout, bah genre elles font ce bruit là. Bah, c'est pour ça que le mec ça fonctionne pas quand il est castré. C'est pour ça. Bah, voilà. Putain. Oh, c'est un chat. Oh là non, ça je sais plus ce que c'est mais... L'abus d'alcool. Comment il fait pour s'accrocher? On dirait qu'il y a de la glu. T'as vu, on dirait qu'il tient hyper simplement. Oui. Ah ça j'adore faire ça. Oh il le fait hyper vite. Il était pas mal celui-là. Oh, il y a ma batterie qui clignote, genre pour me dire j'ai plus de batterie. Oh non. Parce que toi pas chargé caméra. Bah en fait normalement j'ai fait qu'une seule vidéo avec, donc techniquement il était censé tenir plus longtemps. Oh ouais bah oui tu m'étonnes. Je m'élève par la puissance d'Odin. Ah non, moi je peux pas. Moi je peux pas. Hein. Attends, ça faisait pas genre en coca. En quoi? Attention, imagine t'es en train de cuisiner, il sent la bouffe et tout. Il arrive. Et ma bouffe, elle est où? À Google. Attention, en coca. En Google. Là en fait, on est sur une émission qui s'appelle Striptease, du coup, une émission qui est franco-belge. Et si tu veux, en fait, c'est une émission où il n'y avait pas de voix off. C'est-à-dire que c'est vraiment brut. Les gens filmaient comme ça, il n'y avait pas de que pensez-vous de ça, tu vois. C'était vraiment filmé brut. D'accord. Et en fait, là, ce que je veux te montrer, c'est Chantal, c'est vrai, qui du coup se retrouve avec sa maison et son terrain. Sauf qu'en fait, il y a des Parisiens qui ont acheté en fait la maison d'en face. Mais le terrain est commun. Voilà. Chantal, elle est pas d'accord. Et en fait, Chantal, elle a un élevage de vaches et tout. Et elle prend la décision... Attention, ça fait du bruit quand tu fais ça, du coup. Elle prend la décision de prendre le fumier de chez elle et de le mettre dans la cour. Et de là, ça a pas bien se passé. Oh, vas-y, mais... Je vais te... Voilà. J'explique un petit peu cet épisode. 53 minutes, quand même. Oui, mais on n'est pas obligé de se mettre tout en entier. C'est un peu alors, magnifique. Voilà. Et le comité de soutien, c'est... Voilà. Donc il y a un comité de soutien qui est mis en place pour aider Chantal parce que ce n'est pas normal que les voisins lui foutent la justice au cul. Parce qu'elle a pris la justice au cul parce qu'elle déverse quand même du fumier au milieu de la cour. Tu vois. Chantal, elle n'est pas contente. Chantal, elle n'est pas contente. Elle veut pas. Pour elle, c'est sa cour. Alors que non, la cour est commune sur le papier, tu vois. Voilà, donc elle met tout son fumier là. Donc t'as la maison. Elle fait quoi avec ce fumier?
C'est de la merde du coup. Parce... C'est juste pour faire chez les voisins. Ah non, mais c'est en fait, vu qu'elle a des vaches. Ah la vache, oui. Ah oui, donc du coup, en fait, elle nettoie. Mais ouais, Chantal, elle bosse vraiment à son âge. Elle travaille. Et tu as, je ne dis rien, tu me diras à qui elle te fait penser. Ah bah, non, mais je suis sûre. Oh, elle fait penser de ouf. Alors, qui c'est qui a cassé? Ah bah, attends, c'est le vent, hein, c'est pas moi. Hein, hein Chantal, hein. Oh attends, c'est le vent, c'est pas moi. Hein. Ah bah non, moi je me dis, Chantal, la nuit, ça se trouve, elle est arrivée avec une lampe torche, c'est un truc. Comment elle parle? Elle a tout pété. Mais c'est pas moi, là. Mais où? Ah bah vous, vous êtes séniles, vous. Vous êtes séniles, hein. Le fumier vous dérange là-bas, et il vous dérange là, et merde. Espèce de vieux con. Oh, elle est vénère. Elle est vénère, Chantal. Vous êtes un mal baisé, ça se voit. Ça se voit, vous êtes un mal baisé. C'est un mal baisé, ça se voit. Et la violence. N'insistez pas, je vous dis que vous êtes un mal baisé, vous êtes un mal baisé. Là, tu sens qu'il y a une petite patate dans la gueule qui va partir, tu vois, d'une minute à l'autre. Tu sens que là, ça commence à chauffer. Surtout que... Ils l'auraient laissé derrière le fumier. Mais oui. Bah alors. Mais non, mais ils l'ont mis devant. Mais oui, c'est pour ça en fait, ils ont complètement cherché les ennuis. Ouais. Donc du coup, le problème là, c'est que là, ils ont bien remué la merde et là, ça chauffe. En plus, t'as tous les voisins genre qui s'y mettent. Oh là là. Et finir par me mettre en colère. Je vais vous péter la gueule et puis on va voir ce qu'on peut faire après. Je vais lui faire bouffer. Pardon. Oui, mais non. Bah oui, mais non. Ah mais monsieur, ça passe. J'attends le flic. Je te vois trop, tu sais, au téléphone. Ah bah oui, mais non. Tu imagines, il écoute pas, puis là, il entend juste ça. Ah bah oui mais non. En fait ça se trouve il est en train de jouer aussi au cas, genre sur l'ordi et tout. Mais il est en train de faire une partie. D'accord, il est plus grave que ça quoi, et l'autre je vais lui faire bouffer son placenta. Mais ouais, mais parce que là il en a marre, enfin je pense que oui, ta fenêtre et tout, maintenant c'est dégueulasse d'avoir un placenta devant chez toi quoi. Attends, remets, je vais lui faire bouffer, c'est là. Des placentas. Là il faut absolument passer. C'est le film, il est trop drôle, je vais m'énerver. C'est ça. Je vais finir par me mettre en colère. Et puis son placenta, je vais lui faire bouffer. Bah oui mais non. Ah mais monsieur, ça va se terminer comme ça? Parce que je suis pas d'une génération de couilles molles, j'ai quand même 78 ans. J'ai vécu des événements que pas beaucoup vivront. Vous l'enlevez provisoirement. Où est-ce que je le mets? Bah vous faites-le. Non, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. Parce que demain, il y en aura un autre placenta. Alors je vais pas le manger. On essaiera de... Bah si Chantal, c'est très bon avec du sel et du poivre. Je vais vous le faire bouffer. Vous êtes des professionnels ou quoi? Vous êtes là pour semer la merde? Voilà. T'as raccroché? Bah oui. T'as raccroché? En plus, ça, il est insolent. Oh bon? Bah dis donc, en plus de ça. Tu l'insultes, mais il raccroche. Mais c'est pas normal. Je comprends pas, tu l'as juste menacé, pourquoi il a raccroché? Et puis le Ricard que tu m'as envoyé dans la figure? Oui, j'aurais dû te mettre mon poing dans la gueule. J'aurais dû te mettre mon poing dans la gueule. Donc, du coup, bah les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On va s'arrêter là, je pense qu'on aura bien record, on a record 1h05, le temps de mettre tout bout à bout et tout. Finalement, vous voulez voir plein de vidéos, mais en fait, c'était déjà tellement long, finalement, Chantal, on s'est dit, on va faire que quelques morceaux. Mais en fait, il y avait tellement de trucs à chaque fois mis bout à bout, en fait, au bout de 20 minutes, 40 minutes, machin, que bah du coup, bah voilà, on avait pas mal de trucs à voir. Ça peut être bien. Ouais, je pense que ça va être très drôle. Du coup, les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment à regarder les aventures de Chantal et quelques vidéos assez drôles. Du coup, je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez soin de vous. La douleur. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez soin de vous. Merci à tous ceux qui vont sur YouTube pour moi. N'hésitez pas à vous abonner aux multiples réseaux sociaux listés juste en dessous. En attendant, je vous aime 3 fois 1000 et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Salut.